Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le Mojito, un cocktail qui m'a été demandé plusieurs fois hors commentaire. Je vous invite à écrire le prochain cocktail que vous voudriez connaître l'histoire pour la prochaine fois. Donc bon, dans cette vidéo, je vais vous faire le cocktail original, mais avant tout, on va parler un petit peu d'histoire sur ce cocktail qui a conquis le cœur des Français. C'est pas beau l'amour. Ouais, enfin, sauf celui-là, il faut le consommer avec modération, bien sûr. Alors bon, ce Mojito, bon bah, vous allez vous en douter, il n'a pas été créé il y a 2 ans, mais plutôt dans les années 1915-1920. Enfin, il est vieux, quoi. Alors oui, il y a eu des beuvrages similaires au Mojito. D'ailleurs, une légende raconte comme quoi il y a eu des pirates du navire, le Drake, au 19e siècle, qui consommaient de l'eau de vie de sucre de canne. Vous avez bien compris que c'était du rhum. Enfin, maintenant, vous le savez. Dans leur rhum, ils avaient tendance à ajouter des feuilles de menthe. Et en 1910, on a ajouté du citron pour que ce dernier soit plus rafraîchissant. Et bah du coup, on l'a appelé le mojo. On n'est pas loin, hein. Allez, on y arrive. Et vous allez me poser la question, donc où est écrit le Mojito? Alors, il est écrit dans un bar de la Havane, le Concha, qui se situe à l'ouest de la capitale. Il a été écrit par un barman inconnu. Et ce cocktail a eu son succès dans les années 1920. Pile pendant la prohibition américaine. C'est dommage les américains. Bon, la prohibition, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La recette est apparue pour la première fois dans, excusez-moi pour l'accent, dans le Manual del Club de Cantineros et des bars où on s'y aidé à rendre célèbre ce cocktail. Des bars comme le Foridita et le Bodeguita del Medio. Voilà. C'est compliqué. Donc logiquement, le Mojito se fait avec du rhum cubain. Aussi appelé Ron, mais non, pas Weasley, celui-là. Au 19e siècle, l'Espagne a demandé de faire à Cuba du rhum assez délicat, qui peut être bu pur ou en mélange, enfin en cocktail quoi. C'est quand même bien fait l'histoire, non? Allez, assez parlé, maintenant on va faire ce cocktail qui a conquis le monde entier. Allez. Yowz! Allez, c'est parti pour ce Mojito. Alors ce cocktail, il est très simple, il suffit de faire le cocktail directement dans le verre. Alors pour rappel, je suis en train de faire la recette originale de 1915-1920. Du coup, j'aurais besoin d'un rhum cubain blanc. Moi je choisis Bacardi parce que c'est mon rhum cubain préféré. Ensuite, on va utiliser le jus d'un demi-citron vert. On va prendre du sucre en poudre, une eau gazeuse. Et enfin, l'élément le plus important du Mojito, la menthe. Une bonne menthe fraîche qui sent super bon. Donc pour ça, on va retirer la tête de la menthe qu'on va garder pour la déco par la suite. C'est très important. Et ensuite, dans la recette originale, on met des branches de menthe entières. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que d'après les Cubains, c'est la branche qui va ramener le plus de goût et d'arôme dans notre cocktail. Ensuite, on va verser le jus d'un demi-citron vert. On va mettre le sucre, une cuillère, et 2 cuillères. C'est bien, vous savez compter. Ah là là, je vous charrie. Mais c'est pour vous montrer aussi que cette recette est super simple. Là, on va enchaîner avec 4,5 centilitres de rhum. Donc c'est pour ça, là, j'ai dans mon doseur, j'ai 4 centilitres. Et je rajoute un trait pour faire le 0,5. Et maintenant, on écrase tout ça. Alors, très important de mettre la menthe en premier et après le citron par-dessus quand vous mettez des quartiers, parce que ça évite que la menthe soit déchirée et fasse plein de miettes. Donc, on va libérer les arômes en faisant ça. Et la chose complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on met des vrais glaçons entiers. Ensuite, on va utiliser l'eau gazeuse. Alors, moi, je les secoue, c'est juste un kiff parce que j'aime bien avoir le plus de bulles possible. Mais je vous conseille d'utiliser une eau gazeuse qui libère le plus de gaz ou des bulles fines, parce qu'après on risque d'avoir un cocktail qui a le goût d'eau. Ensuite, pourquoi je tape la menthe sur mon bras? C'est pour libérer tout l'odeur de la menthe. C'est-à-dire qu'en fait on va casser les petites particules dans la menthe qui va libérer les odeurs. Et donc c'est pour ça qu'on met la paille juste à côté de la tête de menthe qu'on a frappée, pour avoir le plus d'odeur de menthe qui arrive au nez en même temps de boire. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Enfin, dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, pour comparer, je vais faire le Mojito qu'on voit principalement dans les bars. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'Angostura Bitter, qui arrivait plus tard dans la recette, de rhum ambré,
cubain. Bon, là, j'utilise du martiniquais, mais parce que j'avais que ça. Du sucre de canne liquide. Des quartiers de citron vert. Enfin, d'un demi-citron vert, du coup. Et de la glace pilée. La méthode est assez similaire, à part on met pas les branches de menthe, mais on met les feuilles. Parce que oui, on va utiliser l'eau gazeuse et la menthe. Du coup, je vous laisse au ralenti avec la petite musique. A tout à l'heure. Hey, de retour. Et surtout, n'hésitez pas à refaire ces deux versions chez vous et dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Sinon, le plus important, c'est que tu as aimé cette vidéo. Enfin, j'espère. Donc, n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire les prochains cocktails que tu veux connaître. Et surtout, buvez intelligent. Allez, ciao.